Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Lebel, je travaille à Marseille et je remercie encore les organisateurs pour l'invitation et puis l'amitié qui est constante, pérenne et qui augmente. Alors, on va parler de l'ECMO, comment ça marche bien ou comment ça marche pas très bien en l'occurrence. Je vous le dis tout de suite, l'agent porcine va payer un lourd tribut à cette présentation. Un petit rappel, un petit peu des données cliniques rapidement pour positionner le problème. Ça marche pas trop mal, l'ECMO. Je crois que c'est la dernière mouture de Elzo, c'est 2016. Vous voyez que pour les nouveau-nés, c'est quand même entre 300 et quasiment 500 ECMO en déclaré dans ce registre-là. Donc il y en a pas mal qui passent à côté. La même chose pour les enfants, un petit peu plus élevé. Vous voyez que bien en fait, la néonatologie paye toujours un tribut un petit peu lourd dans ces situations-là, mais au regard des mortalités ou des survies dans les autres étiologies, et si on considère que le choc cardiogénique est la situation la pire en dehors de l'arrêt cardiaque, bon, au final, ça marche pas trop mal, et vous voyez que les résultats sont aussi très acceptables dans le choc cardiogénique de l'enfant. Donc oui, mesdames et messieurs, l'ECMO, ça marche. Alors maintenant, on va voir comment ça marche. Le cahier des charges de l'ECMO, vous êtes d'accord, rétablir le transport de l'oxygène, rétablir la perfusion d'organes, vous serez tous d'accord avec moi qu'on ne va pas non plus enfoncer des portes ouvertes, ça, c'est ce que vous constatez cliniquement, et le but de cette présentation, c'est un petit peu de voir comment l'ECMO peut ou ne peut pas promouvoir la récupération du myocarde, et c'est un petit peu ce qu'on va voir en examinant l'ECMO et les volumes cardiaques, l'unloading, hein, puisque ça a été quand même un thème qu'on a abordé hier à la faveur du cas clinique de Nantes, et puis on en a reparlé ce matin, visiblement on a besoin d'appuyer un petit peu sur ce sujet-là. La perfusion coronarienne, vous allez voir que là les choses sont loin d'être claires, et qu'enfin, et ça c'est super intéressant après cette présentation sur le stunning, est-ce que l'ECMO, sur plan métabolique, du métabolisme intramyocytaire, favorise des choses. Bon voilà, les petits cochons, ça commence mal pour eux. On les endort, on les aborde, et là, le but de ce papier, sur un modèle porcin, pas beaucoup de petits cochons, sur un modèle de cœur préservé, donc la fonction myocardique n'est pas altérée, on fait des cannulations, fémoro-fémorale versus cannulation centrale. Le but de papier, c'était de savoir si l'un ou l'autre était meilleur que, en termes de cœur. Vous voyez qu'on randomisait les cochons. Et bien sûr, les mesures sont très précises puisqu'on utilise des cathéters de conduction, ce qui permet de mesurer les courbes pression-volume et de mesurer les volumes de façon instantanée ainsi que la fonction systolique. Alors, qu'est-ce qu'il apparaît? Première mauvaise nouvelle, eh bien, lorsque on met une ECMO, que ce soit périphérique ou centrale, les volumes télésystoliques du ventricule gauche et les volumes télédiastoliques du ventricule gauche augmentent. Donc, ça veut dire que on majore les pressions télédiastoliques, on peut créer de l'ischémie sous-endocardique, donc ça c'est quand même un petit peu embêtant sur une technique qui en principe est prévue pour un petit peu changer la situation. Et puis, mauvaise nouvelle supplémentaire, quand on examine la fonction systolique de ce ventricule gauche, qui est normale au départ, hein, je le rappelle, vous voyez que la fraction d'éjection diminue de façon significative. Alors bon, c'est la fraction d'éjection, c'est pas non plus le super paramètre, mais quand vous faites le DP sur DT qui vous permet une mesure d'inotropisme finalement assez pure, qui est un petit peu détachée des conditions de précharge, ben là il n'y a pas photo, ça baisse de façon très importante. Et alors, nouvelle surprise, vous voyez que si vous examinez bien les résultats, lorsque vous comparez la cannulation périphérique versus la cannulation centrale, eh bien, les cannulations centrales font moins bien que la cannulation fémoro-fémorale. Moi, personnellement, si j'avais dû miser sur quelque chose, j'aurais dit le contraire. Passons à une nouvelle expérimentation. Cette fois, c'est toujours des petits cochons, mais cette fois, on induit un choc cardiogénique. Alors, la méthode, vous apprendrez, si cette littérature vous intéresse, que le cochon est un animal susceptible et qu'il s'arrête assez rapidement. Donc il faut faire attention, et les conditions d'obtention de ce choc cardiogénique sont difficiles à obtenir. Vous voyez, donc là en gros on fait une occlusion coronaire, mais on est obligé de mettre un cathéter pour perfuser la coronaire en aval avec du sang veineux prélevé sur... Donc en gros c'est un modèle d'ischémie focale du cœur. Même chose, hein, le cathéter de conductance, et vous voyez les critères de définition du choc,
qui sont quand même acceptables. Hein. Il faut que la SVO2 soit inférieure à 50%, les NIRS, tout ça, les lactates, pas de problème. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve une diminution débit-dépendante de la fraction d'éjection. Plus vous tournez le bouton de l'ECMO et que vous voulez monter au débit, plus la fraction d'éjection, plus la fonction systolique du cœur est altérée. Et dans ce modèle de dysfonction myocardique, on ne retrouve pas, enfin, il y a une tendance à l'augmentation des volumes télédiastoliques, mais c'est statistiquement non significatif. Par contre, ce qui sort, c'est l'augmentation constante débit-dépendante des volumes d'éjection systolique. Donc là aussi, il existe une augmentation des volumes, il n'y a pas d'unloading, hein, le ventricule se charge, ce qui est un phénomène de CEC très classique, et il existe une altération de la fonction systolique. Alors, je ne sais pas, moi j'ai un relationnel à la recherche animale qui n'est pas clair, et je suis tombé sur ce papier. Je vous invite vraiment à noter cette référence, parce que je pense qu'elle va faire parler d'elle. C'est une équipe de Hollande qui a développé un modèle mathématique très chiadé, où on décrit le cœur, ses quatre chambres cardiaques, les ouvertures, les différents septums. Ça, c'est pour ceux qui font du congénital. Ça veut dire qu'à terme, en termes de simulation, on va pouvoir simuler n'importe quelle cardiopathie congénitale, n'importe quel type de shunt. Donc ça, c'est très intéressant. Ils font une modélisation vasculaire. Le cœur est dans son péricarde et le cœur est intrathoracique. Et ici, vous avez une simulation du manœuvre de Vassalva. Là, une simulation d'un rétrécissement aortique et d'une essence aortique. Donc tout ça, ça marche avec, donc c'est du temps réel, hein, puisque les calculs se font à 4000 Hz, donc vous voyez en direct ce qui se passe. Et donc les auteurs utilisent ce système mathématique, ils créent un modèle d'insuffisance cardiaque, hein, donc c'est un adulte de 70 kg, pour simuler l'insuffisance cardiaque congestive, ils augmentent le volume sanguin, comme tout insuffisance cardiaque congestif, ils décident de baisser l'index cardiaque à 1,7 litre/minute, donc c'est un état de choc assez sévère, et ils décident de greffer sur ce modèle une ECMO avec une canulation fémoro-fémorale qui intègre le flux rétrograde dans l'aorte au niveau artériel, et ils augmentent progressivement le débit, et ils tracent les courbes pression-volume intraventriculaires, et vous voyez qu'on retrouve exactement ce que l'on voit dans le système expérimental. En gris, vous avez une courbe pression-volume du VG normal, la courbe pression-volume de l'insuffisance cardiaque avec une augmentation des volumes télésystoliques et télédiastoliques et une diminution de la fraction d'éjection. Et vous voyez que l'instauration de l'ECMO conduit à une augmentation supplémentaire des volumes télésystoliques, des volumes télédiastoliques. Et il y a un rétablissement, par contre, et une altération de cette fonction systolique. Donc, oui, que ce soit sur l'animal ou sur le modèle informatique, l'ECMO ne soigne pas le cœur, elle le dilate, et elle augmente potentiellement sa consommation myocardique. Là, c'est un petit papier qui est intéressant de confirmation, où il s'amuse à prévoir, à mesurer les dimensions du ventricule d'une vraie patiente, qui est une jeune patiente de 40 ans qui fait une myocardite, et dans le modèle informatique, ils incluent les volumes ventriculaires, la fraction d'éjection et sa volémie, et en fait, ils retrouvent exactement les mêmes données que l'écho, avec leur modèle informatique, donc c'est toujours intéressant, et les auteurs suggèrent qu'on peut même imaginer, tailoriser, individualiser les thérapeutiques d'unloading en fonction de certains indices cliniques. Le but de ce papier, c'était de valider les différentes techniques de décharge ventriculaire, toujours sur un modèle informatique, en évitant de tuer quelques cochons supplémentaires, ce qui est bien. Première stratégie, on en a parlé hier, il me semble qu'il y a quelqu'un qui avait suggéré une diminution de la post-charge dans le cas clinique de Nantes, bah, testons. Et alors eux, ils disent, bah, très bien, on diminue la post-charge, on va considérer qu'on diminue la pression artérielle à 65 mm de mercure, et vous voyez que cette diminution de post-charge permet de récupérer, de diminuer ces volumes intracardiaques, donc oui, c'est une stratégie qui est possible, sous réserve que vous ayez une bonne pression, et c'est vrai que dans notre pratique, quand on met sous ECMO, il y a beaucoup de vasopresseurs en général, bah hop, on se retrouve avec des pressions artérielles systémiques qui sont assez élevées, donc il y a un rationnel à au moins diminuer le tonus vasopresseur. Lorsque vous couplez cette baisse de la post-charge avec l'instauration d'un traitement inotrope, donc là l'idée c'était d'imaginer un traitement inotrope, quel qu'il soit, qui rajoute une fraction d'éjection de 10%, bah vous voyez, vous potentialisez ce que vous avez. Le traitement inotrope permet de baisser un petit peu ces volumes intracavitaires et vous potentialisez ce gain en rajoutant une baisse de la post-charge, donc lévo-simondant peut-être, soyons fous.
Et enfin, donc il y a, dans ce papier que vous pourrez lire, il teste plein de systèmes. Et j'ai choisi de ces deux techniques. Alors nous, on est très adeptes de cette atrioceptostomie. Virginie vous en a parlé. Donc vous voyez que là, on a toujours cette compression volume de l'insuffisance cardiaque sous ECMO. Et vous voyez que l'atrioceptostomie permet une diminution assez importante et très significative des volumes intrathoriques. Donc c'est une vraie stratégie d'unloading. Mais les auteurs signalent qu'il faut faire très attention au diamètre de l'atrioceptotomie, parce que vous pouvez retrouver, si vous avez un orifice de CIA trop important, avoir une décharge complète du ventricule gauche et une absence complète de précharge, ce qui n'est pas non plus une bonne chose. Là, vous avez l'Impella, donc ça c'est spécial pour Philippe Morien, qui est un prosélyte de cette technique. J'avoue que c'est magique ce truc, hein, cette machine, elle est vraiment incroyable. Vous voyez que lorsque vous couplez l'Impella et que vous augmentez progressivement le débit, bah, vous avez une décharge du ventricule gauche qui est parfaite. Et lorsque vous le couplez à une diminution de la postcharge, eh bien, vous avez toujours un volume ventriculaire, un ventricule qui se précharge et qui éjecte, mais avec des volumes télédiastoliques qui sont très abaissés. Donc là, on est vraiment dans l'unloading vrai. Alors là, on va aborder un serpent de mer, la circulation coronarienne sous ECMO. Alors en faisant un peu de biblio, et je ne peux pas vous la donner parce qu'on est pris par le temps, tout est écrit. Ça la baisse, ça l'augmente, ça la stabilise, et c'est très compliqué de vous donner une réponse. J'ai donc, c'est le privilège de l'orateur, fait un choix pour faire passer un message. Donc il faut prendre ce que je vous dis avec un petit peu de distance. Là, modèle porcin, toujours le même, moi j'aime bien le cochon, c'est de l'adulte plutôt. C'est un modèle de choc cardiogénique qui est très différent des autres, et ça compte. Hein, là, c'est une intoxication bêta-bloquant. Donc je ne sais pas très bien ce que ça fait le bêta-bloquant sur la circulation coronarienne, mais j'imagine que ça doit avoir un impact quand même, ce n'est pas neutre. Et les auteurs trouvent que, eh bien, globalement, là c'est le tout début, on monte progressivement l'assistance, le débit coronarien qui était mesuré par Doppler augmente. Bonne nouvelle, vous voyez quand même, et puis c'est globalement comparable à la baseline. Donc déjà, c'est une petite bonne nouvelle. Ce modèle, toujours porcin, où là on induit un choc cardiogénique chez le cochon par hypoxie, là ils y vont carrément, on baisse la FiO2, on donne un mélange hypoxique, on fait en sorte que le cœur, puis c'est du vrai choc cardiogénique quand même, vous voyez que lorsqu'on compare, alors c'est le LICOR, qui est un système, qui est une système à turbine qui permet, en variant les tours de la turbine de façon synchronisée à l'ECG, de donner un aspect pulsatil au débit, et bien vous voyez que lorsqu'on rétablit une pulsatilité, le débit coronaire toujours mesuré par système Doppler, donc c'est quelque chose d'assez précis, est clairement supérieur. Vous voyez que, en fait, lorsqu'on monte progressivement ce débit, lorsqu'il n'y a pas de système pulsé, bah, le débit il a l'air assez constant, quoi, hein, ça ne bouge pas beaucoup, donc ça ne rejoint pas ce qu'on avait trouvé auparavant. Et la méthode là est importante. En fait, ils se mettent d'emblée à bas débit et ils analysent le système en baissant progressivement le débit, ce qui a probablement un impact en termes de résultats. Et ça, c'est une très belle étude. Et d'ailleurs, le journal dans lequel il est publié est intéressant. Enfin, c'est important de le noter. Je me suis dit, comme il n'y a pas de réponse, pourquoi ne pas regarder des expériences où il y a carrément un arrêt cardiaque et puis on voit si l'ECMO rétablit le débit. Et là, c'est le principe. Ces petits cochons, on les instrumente, on les met sous ECMO, on leur fait fibriller le cœur. Donc c'est un tableau typiquement d'arrêt cardiaque en réanimation, c'est-à-dire qu'on fait fibriller le cœur alors que l'ECMO débite entre 5 et 10 millikilos. Donc ça simule un low flow, hein, sans no flow. Et vous voyez que lorsqu'on augmente progressivement le débit d'ECMO, vous voyez que le débit coronaire, qui est mesuré lui aussi en système Doppler, donc quelque chose de plutôt fiable, augmente progressivement, et ce de façon débit dépendante, sans toutefois revenir à la baseline. Donc ça, c'est quand même un élément assez intéressant. Et je ne sais pas si j'ai le temps de le détailler, mais globalement, cette étude est intéressante parce qu'elle compare une cannulation fémoro-fémorale et une cannulation fémoro-axillaire. Et vous voyez que dans la cannulation fémoro-fémorale, c'est elle qui est la plus performante. Moi, je n'aurais pas parié dessus. En termes de débit coronaire, c'est ce type de cannulation qui rétablit le mieux le débit coronaire. Et lorsque, et vous voyez que la cannulation fémoro-sous-clavière, enfin axillaire, du coup, est moins performante. Et pour rétablir cette performance, il faut lui adjoindre
un ballon de contre-pulsion. Donc il y a un aspect de pression diastolique et puis il y a un aspect de pulsatilité. Ça, c'est un message. Si vous voulez que les coronaires soient bien perfusés, bah, c'est bien qu'il y ait un peu de pulsatilité, c'est bien que le cœur éjecte un peu. On a parlé de la circulation coronaire, mais est-ce que, là on a parlé de stunning aussi, c'est incroyable, là, les topos se recoupent, et je me suis dit, mais ok, on rétablit, on met un malade sous ECMO, on rétablit une perfusion coronaire, mais est-ce que le métabolisme cellulaire, est-ce que ça marche, hein? Est-ce que la cellule myocardique, elle est capable de récupérer, de refaire de la synthèse? Et là, vous avez là c'est les seuls cochons, je trouve, dans cette présentation qui mérite, entre guillemets, qui, en tout cas, cette expérimentation justifie de la recherche animale. C'est une équipe japonaise. Suivez ce qu'ils publient, ces gens-là, c'est extrêmement intéressant. Donc, c'est 36 porcelets. C'est un tableau d'ischémie-reperfusion. On fait de l'occlusion coronaire pendant 10 minutes. On relâche. Donc, on est typiquement dans le stunning. Donc, c'est une compression de la coronaire gauche en aval de la première diagonale, hein, ce qui évite d'obtenir des tableaux de fibrillation ventriculaire et d'arrêt cardiaque. On met une ECMO véno-artérielle centrale, on perfuse les coronaires avec un certain nombre de marqueurs, hein, le pyruvate et la leucine qui sont la leucine. Donc pyruvate, c'est le précurseur du lactate, et leucine, donc c'est un métabolite qui va explorer un petit peu le métabolisme cellulaire. On fait cinq groupes d'études, un groupe contrôle, on ne leur fait rien, un groupe où effectivement on fait de l'ischémie-reperfusion, un autre groupe où on fait de l'ECMO après ischémie-reperfusion, un groupe où on fait un sevrage de cette ECMO et un groupe qu'on perfuse en plus avec de l'hormone thyroïdienne qui va agir sur le métabolisme cellulaire. Alors, je ne suis pas dans ma zone de confort, mais les auteurs affirment que ça agit sur le métabolisme cellulaire sans augmenter la consommation myocardique d'oxygène. Incroyable, ça ressemble au livre aussi mandant. Et puis, nous, on y aura droit, du coup, là. Ça sera peut-être un truc à creuser. Et à la fin de l'expérience, ils prélèvent l'apex. Ils passent tout ça en RMN, en spectrométrie de masse, et voilà ce qu'ils retrouvent. Donc, il y a une. Vous voyez que le groupe contrôle, l'ATP, ça marche. Quand on fait de l'ischémie-reperfusion, bah, il y a une perte énergétique. Quand on remet sous ECMO, eh bien, on récupère un petit peu cette énergie. Et lorsque vous examinez les capacités de phosphorylation de la cellule myocardique, vous voyez que le rapport phosphocréatine sur ATP est restauré également par l'ECMO. Par contre, et là, ça me parle, hein, vous avez tous eu cette expérience quand on tente de sevrer les patients, où ça ne marche pas, où le cœur ne suit pas. Vous voyez, ben, le groupe où on sèvre, ben, y a quand même à nouveau une diminution de la capacité de phosphorylation, le métabolisme cellulaire, et regardez cet effet magique de l'hormone thyroïdienne, moi, ça me bluffe. On fait, et vous voyez, que ça, comme s'il se passait quelque chose dans la cellule. Ça, c'est, moi, il me semble que c'est tout à fait intéressant. Lorsqu'on regarde les lactates, c'est extrêmement cohérent comme expérience. Le groupe contrôle, pas de lactate dans la cellule. Donc ça, c'est l'analyse IRM des apex cellulaires en aval de l'ischémie. On fait de l'ischémie-reperfusion, poum, plein de lactate. On met de l'ECMO, le lactate, on soulage un petit peu le muscle quelque part. Et lorsqu'on sèvre, bah, boum, là, du coup, le ventricule, il doit travailler. Il est obligé de générer... une force, et vous voyez que là, clairement, cette production de lactate suggère que ce n'est pas possible, et l'association d'hormones thyroïdiennes à l'ECMO eh bien, redonne une balance énergétique favorable à la cellule myocardique. En conclusion, oui, l'ECMO restaure le transport d'oxygène et la perfusion des organes périphériques, mais perfuser un organe, ça ne veut pas dire rétablir la fonction. Ça, c'est un sujet qui mériterait. Est-ce que l'ECMO favorise une récupération rénale? Est-ce qu'elle accélère la récupération de défaillance d'organes? Moi, j'avoue que ce serait intéressant à voir. Je n'ai pas vu beaucoup de littérature là-dessus. Ça reste une technique de référence. Hein. C'est facile à mettre en œuvre. Ça agit tout de suite. C'est un effet on-off. Donc, oui. L'augmentation, sur ce que j'ai pu lire, des volumes télédiastoliques et télésystoliques du VG, elle est quasi constante, donc ça ne soulage pas le cœur, ça peut même augmenter sa demande en oxygène. L'altération des performances systoliques du ventricule gauche, elle est quasi constante, et moi j'ai cette expérience clinique lorsqu'on monte les débits d'ECMO. Ça suggère également, ce que j'ai pu en lire, suggère que, Nadir, tu disais, est-ce que c'est systématique? Moi, je pense qu'il faut le faire systématiquement.
Mais les auteurs, en tout cas chez les plus grands, suggèrent que il y a peut-être une stratégie individualisée en fonction de la dilatation des ventricules, mais clairement c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'une réflexion systématique. L'ECMO à plein débit augmente la perfusion coronarienne, mais pas forcément à un niveau normal. Intérêt de maintenir la pulsatilité et dans ce contexte s'assurer que ce qui sort du ventricule gauche est quand même bien oxygéné, parce que vous avez pu le voir sur ces cochons, l'hypoxie c'est pas bon pour le cœur. L'ECMO pourrait restaurer une balance énergétique myocardique favorable, mais pas tout seul, et ça fait suite au topo sur le stenting myocardique. Il y a probablement, on a besoin de quelque chose en plus pour potentialiser les effets de mécanique. Et puis bon, ça c'est pour moi, j'ai jamais été confortable avec la recherche animale. Faites attention à ce modèle mathématique qui va faire parler de lui. Je vous remercie. Merci Stéphane pour ce magnifique topo, c'était vraiment génial. Qui a des questions? Pierre. Le micro, docteur Bourgoin. Ah, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. J'ai une question peut-être et une remarque aussi pour appuyer sur la décharge. La question, je comprends, j'ai pas très bien compris le côté baisse de la fonction systolique au démarrage de l'ECMO sur l'étude sur les cochons, parce que on s'attend nécessairement en dépréchargeant le cœur quand même à avoir une diminution de fonction. J'ai compris peut-être la nuance avec le DP sur DT, mais ça me paraît normal aussi. Moi, j'aurais voulu voir sur ces cœurs normaux que en rediminuant, en arrêtant l'ECMO, éventuellement on observe après arrêt de l'ECMO éventuellement une diminution de fonction, ce qui serait intéressant, mais ce qui est montré, je trouve normal, à la limite, je ne trouve pas que ce soit en défaveur de l'ECMO. Alors, je ne fais pas un topo à charge de l'ECMO, ouais, c'est plutôt une analyse physiologique, hein. C'est-à-dire que d'abord, la fonction inotrope, comme tu le sais, elle dépend éminemment des fonctions de charge, même si sur DP, sur DT, c'est pas tout à fait, ça reste dépendant quand même de la précharge. Alors, ce qui est en cause, c'est vraiment un problème de surcharge ventriculaire et une augmentation de ces volumes. Et c'est mathématique en fait, hein. Si tu as une augmentation de volume dans un contexte d'altération du ventricule gauche, c'est un petit peu la même chose que le cœur qu'a montré Virginie là. Tout à coup on met l'ECMO sur un cœur qui est dilaté, il se gonfle encore plus. Alors le mécanisme de ce qui est plus incertain, c'est le mécanisme qui conduit à cette augmentation de volume ventriculaire. Ce qui est retenu dans la littérature, c'est quand même une élévation de la post-charge. Après, sur les cœurs dilaté et très hypokinétique, eh bien, il y a tout ce qui est insuffisance valvulaire, hein, la majoration de l'IM qui va pousser direct dans l'oreillette, le fait qu'il n'y ait plus d'éjection ventriculaire gauche, et ça vous le voyez très très bien à l'échographie, dès que la valve aortique ne bouge plus ou ne s'ouvre plus, là vous savez qu'il va falloir aller à la décharge très rapidement. Donc tout ça sont des mécanismes. Après, il y a tout ce qui est circulation bronchique. Quand on assiste des cardiopathies congénitales, il y a un retour gauche qui peut être extrêmement élevé et qu'on sous-estime la plupart du temps en général et qui conduisent à des situations. Je pense que ce qui est important du coup, c'est l'augmentation de volume, donc c'est la maladie cardiaque, oui. C'est pas tellement l'impact de l'ECMO, et pour parler de décharge, le diagnostic est très important, c'est-à-dire que la myocardite fulminante va continuer éventuellement, l'atteinte cardiologique va éventuellement continuer sous ECMO, éventuellement encore s'aggraver. Et j'ai un très beau cas clinique d'un patient comme ça, avec une décharge qui est proposée à H12, ce qui n'est pas très très tard, mais en fait en sortie d'ECMO, fuite mitrale massive, il y a eu un remplacement valvulaire mitral, on a une biopsie du pilori, c'était une nécrose en fait, extrêmement rapidement, la nécrose se fait. J'ai un deuxième cas qui est récent, il est déchargé à H21, en fait il ne récupère jamais de son ischémie, alors que c'est un patient qui avait une fonction sous ECMO qui était... Qui était plutôt favorable. Après, la dysfonction systolique, là, je me permets de rebondir, c'est pas non plus une hypothèse nulle. Hein. Si tu dilates le ventricule et que tu as des pressions télédiastoliques du ventricule gauche très élevées, tu crées une dysfonction sous-endocardique et puis une espèce de cercle vicieux qui s'établit. Donc je pense que tu as quand même une possible altération systolique associée. Enfin, au final, ce que je veux dire, c'est que l'ECMO ne soigne pas tout. C'est ça que je veux dire. Et qu'il y a souvent des petits trucs complémentaires à faire.
J'ai essayé de bien suivre là, tout ce que tu as dit. Il y a quand même une petite discordance entre l'amélioration quand même de la perfusion coronaire et l'altération de la fonction systolique, l'augmentation des volumes qu'on constate sous ECMO. J'ai eu du mal à... Ah, voilà. Alors la perfusion coronaire, hein, c'est, ne nous méprenons pas, hein, c'est, ils mettent des capteurs sur l'artère coronaire gauche. Hein, donc c'est vraiment le vaisseau sous-épicardique. Hein, ce qui, par contre, ça ne préjuge pas de la circulation intramyocardique. Hein. Encore une fois, et puis pour terminer, Nicolas, j'ai des précautions oratoires, c'est que dans la littérature, tout est écrit. Hein, c'est-à-dire que ça diminue, ça baisse. Ça dépend du modèle expérimental, ça dépend du modèle d'hypoxie, ça dépend de la technique de recherche. Il y a des choses très intéressantes, il y a beaucoup de choses qui ont été publiées dans les années 70 avec les techniques des microsphères, par exemple. Dès que le débit de l'ECMO n'est plus à plein débit, eh bien la perfusion coronaire est essentiellement prise en charge par ce qui sort du ventricule gauche. Ça, c'est les techniques de microsphères, donc ça, c'est très important. Ça veut dire que vous aurez beau... oxygéner un maximum votre ECMO, le sang qui va sortir artérialisé ne va pas aller dans les coronaires, hein, c'est ce qui va sortir du ventricule gauche. Donc ça, c'est un impact majeur. Hein, si vous avez une atteinte pulmonaire, il va falloir travailler sur le poumon pour que ce sang oxygène. Donc bah voilà, c'est extrêmement... Il y a plein de questions. Bah, voilà, c'est très clair. Hein. Vas-y, Mirella. Oui, merci Stéphane pour cet exposé fantastique. Alors, je veux enfoncer un peu plus le clou qu'a commencé à enfoncer Pierre. Puisque tu dis qu'effectivement, les ventricules vont se dilater une fois qu'on est en ECMO, Virginie vient de présenter un cas où effectivement vous avez dû mettre une décharge, quelle est la base de votre stratégie à ne pas mettre une décharge pratiquement, alors, très rapidement, presque systématiquement? Comme tu le sais, moi, il y a un monsieur qui s'appelle Bernard Kretman qui m'a appris un certain nombre de choses et il m'a dit, aux États-Unis, ils y vont systématiquement. C'est-à-dire, un enfant en ECMO bénéficie d'une décharge, quelle qu'elle soit, de façon systématique. C'est ce qu'on m'a appris. Donc, je n'ai pas de critères, je n'ai pas à juger, enfin, je n'ai pas, pour le moment, c'est mon degré numéro un de réflexion. Ce que je constate, c'est que dans notre pratique, on est à Marseille, c'est nous... pour refaire un immeuble, on attend qu'il s'écroule. Donc, pour mettre une décharge gauche, hein, on attend qu'il y ait des petits signes échographiques, parce que tu comprends, il faut prendre le malade, il faut l'amener au cathé. Enfin, c'est pas extrêmement léger comme procédure. Voilà. Mais le fond, c'est que si tu regardes, c'est ce qu'on disait avec Virginie ce matin, avec un croissant et un café, si j'examine vraiment notre activité sur toutes les ECMO médicales, myocardiques ou cardiomyopathie dilatée, on y est allé à chaque fois. Ce n'est pas difficile, c'est 100%. Par contre, là où on n'y va jamais, c'est dans les cardiopathies congénitales, c'est-à-dire le post-ECMO. Mais curieusement, ils ont tous un FOP. Voilà, hein, donc CQFD. Pour moi, ça ne fait pas de doute. Après, sur l'atrioseptostomie, sur la technique, bah, nous, on a des cathétériseurs, bah, voilà, ils aiment bien faire ça, c'est un geste qu'ils aiment bien, ils ont une certaine habitude. Et puis, donc, pour répondre préventivement au calibre, bah, avec la dilatation et le stenting, bah, in fine, tu peux calibrer ton FOP. Voilà. Puis, globalement, c'est 4 mm. Et on s'en sort bien à chaque fois. Après, ça dépend aussi des stratégies de centre, nous, à Bordeaux. En tout cas, pour les adultes, la stratégie, les patients, ils sont assistés, monitorés immédiatement, PTDVG élevé, ils sont déchargés systématiquement, très vite, même avant même, dans la foulée de la mise de l'ECMO, en fait. Après, la stratégie est différente. Non, c'est une impella, c'est au bloc, tout à fait au bloc. On rajoute l'impella dessus. Marc. Merci, en fait, c'est très intéressant. Et du coup, ça, moi j'ai une question, parce que j'ai l'impression que tu as fait beaucoup de la littérature, et du coup, ça nous apporte beaucoup. Moi, j'avais une petite question par rapport à ça. Est-ce que dans la littérature, tu as vu dans les études expérimentales, cliniques animales, ou je ne sais pas, éventuellement, autres, mais en tout cas, pas les modèles informatiques, hein, vraiment cliniques, eh bien, est-ce que tu as vu des modèles où en fait la perfusion coronaire était stable, était standardisée et donc ne variait pas avec l'augmentation de l'ECMO, parce que j'ai cru voir sur les diapositives que finalement la dysfonction systolique et diastolique était dépendante du débit d'ECMO. Mais du coup la perfusion coronarienne elle est également modifiée. Est-ce qu'à perfusion constante on se retrouve avec quand même la même corrélation, c'est-à-dire la même aggravation ? À pression de perfusion coronaire constante. À débit. Alors très précisément, c'est la dernière expérimentation animale qui compare les canulations fémoraux, fémorales et
tout ça. En fait, là, vous voyez, il y a ECMO Switch. Donc, il changeait en plein milieu d'expérimentation. C'est pour ça que ça a un gros impact clinique. Les cochons étaient canulés à la fois en axillaire et en fémoral sur le plan artériel. Et pendant l'expérimentation, ils faisaient changer les cochons de groupe. Donc, ils faisaient une sorte de crossover, ce qui donne un impact assez fort à ce papier. Et donc là, j'ai pas mis c'est perfusion pressure. Et j'ai pas mis le débit, mais c'est exactement pareil. Tu vois que la pression de perfusion, donc c'est un tableau d'arrêt cardiaque. Hein, donc les petits cochons, ils sont en fibrillation. Et tu vois quand même, cette pression de perfusion augmente. Et je l'ai pas mis, mais il y a la même chose avec le flux, donc le débit coronaire. Et en fait, c'est pareil. Hein, c'est-à-dire que tu penses à des effets métaboliques qui vasodilatent les coronaires, donc à pression constante, tu peux avoir des flux différents. Non, en fait, je cherchais simplement à comprendre s'il y a une corrélation avec le débit d'ECMO qui augmente sur la dysfonction systolique, alors que le débit coronarien va rester stable et constant. Oui. Et en clair, ça veut dire qu'on maintient un débit qui est standardisé à je ne sais pas quel débit en millilitres par minute dans les coronaires. Et maintenant, à partir de là, où il n'y a plus la circulation coronarienne, la perfusion coronarienne est indépendante de l'ECMO, on va faire varier le débit d'ECMO, simplement. Et voir à ce moment-là si on se retrouve avec les mêmes dysfonctionnements systoliques et diastoliques. En clair, est-ce que la dysfonction est dépendante simplement de l'hyperdébit induit dans les coronaires par l'ECMO, ou finalement ça fonctionne par des effets extra-coronariens, quoi. Moi, je pense que la dysfonction... Donc c'est une opinion. Alors je n'ai pas en tête de modèle qui explore ce topic très précis, parce que sur le plan méthodologique, là j'avoue que je ne sais pas très bien comment il faudrait faire. Moi, ce que je pense, c'est que la dysfonction ventriculaire gauche ou la dilatation du ventricule, elle est indépendante d'un phénomène ischémique global. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas sur le débit coronarien, c'est plutôt un phénomène de volume. Et d'ailleurs, tu vois que les stratégies d'unloading, c'est vraiment la soustraction de volume à l'intérieur du ventricule, quelle que soit la technique, diurétique, diminution de post-charge, atrioseptostomie, qui change la donne, quoi. Donc, un phénomène ischémique comme étant primitif à la dysfonction systolique du ventricule gauche, une fois qu'on met l'ECMO, je ne suis pas sûr. Et puis, il y a une façon de monter le débit de l'ECMO. Hein. Si, quand vous mettez les canules, si on tourne le bouton comme ça, là, c'est sûr que le ventricule, il va se charger, il faut y aller... progressivement, tout doucement, je pense qu'il y a des petits trucs comme ça qui font que ça passe mieux, quoi. Je craque, il faut que je parle. Pour vous donner un point de vue historique, pourquoi en ECMO pédiatrique, et ce que tu disais tout à l'heure, le point de vue de Kretman et des États-Unis, et de ceux qui ont commencé à faire de l'assistance en fin de CEC, hein. D'abord on a fait ça avec prolonger la CEC avant d'inventer l'ECMO, mais on a constaté très très vite que lorsque on faisait des efforts extrêmes avec l'idée de décharger la voie droite, surtout quand on avait des problèmes sur les congénitaux de cœur droit, on se retrouvait dans la situation où on avait un débit systémique qui était fort, et la conséquence sur le débit systémique, c'était la perfusion coronaire. Et l'hyperdébit coronaire, qui dans un premier temps semblait améliorer la fonction ventriculaire gauche, en fait, on tombait dans un cercle vicieux qui était la constitution d'un œdème myocardique, qui au bout d'un moment faisait des résistances coronaires tellement élevées qu'on avait des phénomènes ischémiques qui arrivaient. Donc on ne comprenait rien, c'est qu'au début ça marchait bien, et puis à un moment, plus on faisait de l'ECMO, plus on aggravait la fonction cardiaque. Donc cette notion d'arriver à tenir en équilibre le bon débit d'ECMO qui permet de maintenir de l'éjection, de conserver de l'éjection du ventricule gauche, qui maintient en même temps une perfusion coronaire adéquate, c'est une espèce de quadrature du cercle infernale. C'est pour ça qu'on a très très vite en pédiatrie, vu la taille des cœurs, on a réglé le problème en disant c'est beaucoup plus facile d'arriver à contrôler la décharge gauche par une canule mise dans l'oreillette gauche, et c'est comme ça qu'on a eu des très bons résultats. Et paradoxalement, en ce moment, on assiste à la découverte du unloading par les adultes. Et ils découvrent béatement que c'est quand même extraordinaire, il y a plein de publications chez l'adulte, que finalement, on améliore beaucoup plus vite les cœurs, les ventricules gauches, si on les décharge correctement. Alors, on essaie de leur dire que ça fait 30 ans qu'on fait ça en pédiatrie, mais bon, ça ne les intéresse pas. Mais sur le mécanisme, c'est vraiment quelque chose d'absolument essentiel, et que... En fait, le conseil que je donnerais, c'est qu'il ne faut pas attendre 107 ans avant d'aller à la décharge gauche, et qu'il y a un certain nombre de signes frustes dont tu as parlé, et pas attendre que l'immeuble s'écroule, il faut y aller très rapidement. Ça sera ça ma conclusion.
Merci beaucoup Philippe. On a déjà pris. On va enchaîner sur la pause. Les discussions, on les fera au café. On va reprendre. Il est 11h10. On va essayer de reprendre très vite.